Salut, je m'appelle Sébastien de la Ferme Guillon et aujourd'hui, je vous montre comment entretenir votre pelouse au printemps. Il y a différentes étapes au projet de notre gazon pour le printemps et la première des étapes, c'est d'attendre. Attendre en fait là, que l'eau se soit résorbée du terrain, qu'il n'y ait plus d'eau sur notre terrain parce que s'il y a encore de l'eau et qu'on marche dessus, on fait des traces et si on fait une trace, ça veut dire qu'on va compacter le sol. Donc, on doit vraiment attendre que le terrain se soit drainé. Pourquoi? Parce que vu qu'on a fait des traces, le sol va être compacté. Et si c'est compacté, c'est qu'on va favoriser les pissenlits, les mauvaises herbes, plutôt que le gazon quand ça va pousser. La deuxième étape, c'est d'inspecter les dommages. Les dommages qui ont été causés par soit les traces sur votre terrain, par le déneigement, ou les petits trous de mulot, ou les petits rongeurs qui peuvent avoir briser le terrain, mais aussi les dommages qui peuvent avoir été faits, exemple, par une branche tombée par le verglas. La prochaine étape, c'est de réparer les zones qui ont été endommagées. On a fait notre inspection, on a trouvé ce qui avait eu des dommages, maintenant on les répare. Et on le fait avec quoi? Avec du terreau Viva Pelouse et avec des semences à gazon. Pourquoi le terreau Viva Pelouse? En fait, c'est super simple, c'est que c'est un terreau qui est léger. Il est léger parce qu'on a ajouté une mousse de sphingue à l'intérieur. Ce qui fait en sorte que, vu qu'il est léger, il est plus aéré, plus oxygéné, il va mieux retenir l'eau, ce qui va enrober notre semence, ce qui fait qu'elle va pousser mieux. Pourquoi terreau Viva Pelouse versus terre noire? En fait, c'est qu'une terre noire, c'est une terre qui est vide, qui n'a rien, qui n'a pas de nutriments, qui n'a pas d'engrais dedans. Versus notre terreau Viva Pelouse, que lui, il y a déjà un ajout de compost, un ajout d'engrais, donc elle est déjà prête à être utilisée. On a fait notre terreau Viva Pelouse, on a mis notre semence à gazon. Prochaine étape, c'est les engrais. Et qui est à fonction lente. Donc, ce qui veut dire qu'on va le mettre, ça va durer 8 semaines. Vu que c'est granulaire, quand il va pleuvoir, ça va se dissoudre lentement et ça va rentrer dans le sol. Printemps, été, c'est un engrais qui est fait pour être performant à la chaleur. Généralement, on ne met pas d'engrais à la chaleur, mais lui est fait en conséquence de granulaire, encore une fois. Et pour l'automne, bien, c'est dans le but de préparer notre gazon pour l'hiver, donc on peut l'étendre un peu plus tard dans la saison. Et finalement, là, si vous faites bien vos étapes, vous préparez bien votre terrain en début de saison, vous allez avoir une belle saison sans problème. Donc, on vous souhaite un beau gazon vert et en santé, puis on vous invite à suivre nos réseaux sociaux pour voir les prochaines capsules. Bon été!